Hello c'est Amy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ultra courte. Elle ne durera pas longtemps mais je tenais à faire de la pub à ce monsieur, je lui ai promis. En fait c'était lors de la journée l'animal en ville, je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Il y avait pendant ce temps avec des choses gratuites et j'ai été étonnée de découvrir qu'il y avait aussi un portraitiste caricaturiste pour chien, et donc on en a profité pour faire celle de Lexi. Donc quand on a vu que c'était gratuit j'étais là mais il faut en profiter, donc j'ai fait la queue, il y avait pas mal de monde, le pauvre il avait pas réussi à trouver le temps d'aller manger et compagnie, c'était un petit peu le rush pour lui, mais voilà c'est tellement un truc inattendu et assez sympa, et surtout que moi nous les caricatures pour humains je suis pas fan mais pour les chiens c'est assez cool. Et donc en fait le but c'était qu'on raconte un petit peu l'histoire de notre chien, donc il nous demandait quel genre de bêtises il faisait, et forcément comme Lexi était là j'ai fait pour Lexi. Mais si vous aviez plusieurs chiens, vous pouvez faire les plusieurs chiens sur la même image, ce n'était pas du tout dérangeant. Mais j'espère donc retrouver ce monsieur un peu plus une prochaine fois ou quoi que ce soit, où je vous demanderai aussi ses tarifs, comment ça se passe. J'ai raconté que la plus grosse bêtise et l'unique énorme bêtise de Lexi, c'est de voler dans les poubelles et d'être une goinfre pas possible. Donc voilà ce qu'il m'a fait, comme je suis dégoûtée de l'avoir un peu écrasé, mais on va reprendre un cadre et je vous montrerai dans le cadre ce que ça donnera. Donc voici la caricature de Lexi. Tadam! Donc voilà la puce en version caricaturée qui est vachement bien faite. J'aime beaucoup, c'est simpliste mais ça la représente tellement bien. Donc avec ses petits poils hirsutes et sa couleur un peu rousse sur la tête. Donc oui, Lexi est dans une énorme poubelle où elle est en train de piquer un paquet de BN où il y a un gâteau qui s'est échappé. Puisque c'est typiquement ce qu'elle me fait tout le temps à la maison. Je n'ai pas le droit de laisser traîner une poubelle avec elle ou des trucs sur ma table parce que sinon elle va le manger. Donc voilà, avec ses petites pensées enfin, et bravo Lexi. Donc je vous montrerai après, je vais acheter un cadre spécifique et on l'affichera. Comme d'habitude, c'est pas parce que c'est Lexi, mais si jamais j'ai l'occasion de faire les autres aussi, et ben ils auront chacun leur place. Donc je sais pas où est-ce que je vais l'afficher encore, parce que mes murs commencent à être bien remplis alors que je voulais garder quelque chose d'épuré, mais je ne peux pas faire autrement que de l'afficher. Donc dites-moi si jamais vous voulez en fond de vidéo ou pas. Donc voilà pour cette petite coup de pub, parce que j'ai promis au monsieur de le faire parce qu'il a du mal avec les réseaux sociaux et je voulais quand même qu'il se fasse connaître parce que c'est assez sympa. Je sais pas du tout quel tarif il applique, par contre pour ça je sais qu'un... Apparemment ils m'ont dit un beau portrait comme celui-là c'est au moins 600 €, mais voilà c'est des heures et des heures de travail, donc puis sur des grands formats. Donc voilà, je ne sais pas du tout, apparemment j'irai voir sur son site internet si jamais j'ai les prix, ce sera en barre d'infos si jamais j'en sais plus sur la caricature. En tout cas c'était super sympa à avoir, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo toute courte vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Kissou.